Salut à toutes et à tous, c'est Numbi106 et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur FUT 15 avec bien sûr un nouvel épisode de FUT l'aventure. Alors donc aujourd'hui un épisode plutôt spécial parce qu'aujourd'hui j'avais pas trop envie de mettre la cam. Il fait pas un très très beau chez moi donc c'est pas très pratique pour mettre la caméra. Bon aujourd'hui donc comme d'habitude on va ouvrir les packs et puis après des matchs. Alors le season ticket, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop là. Alors, ça doit se vendre. Je sais pas, mais on le met quand même. Super, génial, cool. Encore mieux. Ah génial, un truc à vendre. Hop là, très bien. Pour la collection. Hop. Oui. Alors, la suite. Attention. Ouais, du popo. Je dois pas avoir Garnier dans ma Bundes. Bon, Garnier. Ça, je sais pas si ça se vend. Ça, je sais pas si ça se vend. Tac, tac, tac. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah bah oui, du coup, je vais aller voir pour ma Bundes, puisque... Voilà, j'avais pas de gardien, bah du coup, c'est pratique. Voilà. Après, niveau attaquant, non, c'est bon, j'ai pas besoin. J'ai pas d'autres joueurs, donc voilà, on va pouvoir repartir sur les autres équipes. Tiens, on va regarder un peu la Ligue 1. Alors, je voulais l'améliorer, ma petite Ligue 1, moi. On va améliorer le milieu droit. J'apprécie, mais on va prendre quelque chose peut-être de plus rapidement. Ça, je regarderai ça plus tard. On va essayer de voir Lucas. Lucas, George Lucas. Non, je rigole. Je plaisante. Ça doit être lui. Voilà. Style. S'en fout. Apparemment, il y en a pas très très cher, donc on va aller voir ça. Mais non, mais t'es con. Mais non. Ah, ils ont dû réaugmenter alors. Ouais, ils ont réaugmenté. Ah, on en trouve beaucoup à ce prix là. Ça repassait à plus de 5000. On en trouve beaucoup, on continue de descendre un peu. Ah, 5500 là. Ah, ouais, oh, super. Attends, Vista, c'est quoi? Vista, c'est... Ouais, mais non. Ça, c'est... Quoi? Tirer dribble. Ouais, il n'a pas beaucoup de forme, mais c'est pas grave, ça, je peux régler le problème. Il a du contrat, donc on va le prendre. Voilà. Bien. Alors. Eh ben, merci Tovin pour tes bons et loyaux services. Enfin... Bon, bof, loyaux, je sais pas, mais il nous a rendu quelques services, ça c'est vrai. Après, bon et loyaux, je sais pas, je sais pas, parce que des fois il nous a raté pas mal de trucs, mais des fois il nous a réussi des trucs. Bon, c'est au pif. Alors, voilà, voilà un Lucas tout neuf, flambant neuf. Comme fraîchement sorti du paquet de céréales. Voilà, parfait. Donc on va pouvoir aller jouer, je pense. Ah oui, haha, avant j'allais oublier. Oh le vilain, c'est pas gentil du tout. J'allais oublier qu'il faut aller regarder les résultats du sondage. Et ouais. Alors ça je peux l'enlever. Ça je vais aller là. Nous allons voir TD Suite, l'épisode précédent. J'ai les trouvé. Voilà, il est trouvé. Alors. Allez, connexion de petit cochon. Dépêche-toi. Je sais pas que ça à faire. Alors, les résultats. Alors, les résultats. Roulement de tambour. 3, 2, 1, go. Eh ben ouf. Ah bah cette fois-ci, la coupe a pris le large. Hein. ouais, ça a pris le large aujourd'hui.
Donc du coup, bah puisqu'il y a de la coupe aujourd'hui, prochaine fois je sais pas. Non, on verra. Non, peut-être que la prochaine fois, on verra, peut-être que vous aurez envie de nouveau de division. Donc du coup, je pense dans la semaine, j'avancerai donc 2-3 matchs la division. Pour être en comparaison, donc bah, on s'était arrêté là, un gros huitième de finale, 5 à 4, hein, on va faire les quarts de finale, en espérant y arriver. Ouais, ça va pas être simple. J'ai pas un truc pour lui donner Ligue 1, non, attends, on va voir. Eurodivisie, Norvège, Pologne, non. Bon. Ah, c'est dommage, pas encore. Bon, tant pis, c'est pas grave, on y va. Ce n'est point grave. Lucas. Bon, j'espère qu'il va nous apporter de belles choses, l'ami Lucas. L'ami Lucas. Pardon. On met un peu de musique, hein, bon, voilà, hein. On essaie de faire du mieux qu'on peut avec les moyens du bord, voilà. Sinon, trouver un joueur, c'est en option. Tu m'envoies un fax? Ou un télégramme? Télégramme. Ah, oh! Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Au revoir. Bon, si on ne trouve pas d'adversaire au bout de 3 essais, je partirai faire un match de division et on retentera de chercher un adversaire en coupe. Bon. Ouais. Ah, peut-être. Mais non, mais. Ah, c'est bon. C'est bon, on a trouvé un adversaire, c'est cool. On y va. C'est parti, putain. Cap encore coincé, j'en ai marre, c'est Cap qui se coince. Oh pétard, une BPL là, c'est chiante en 4-4-1-1. Compo assez original, certes, mais l'équipe fait mal. Ouais, j'aime bien la coupe, merci. Alors. C'est un match important, hein, ce Et quart c'est de parti pour finale le match, mondial. en Oui, espérant gagner, deux buts même si équipes ça en va être cours, ça difficile, avait mais chacune une pied sûr il la faut saison jouer. passée. Pardonnez Sandrini. Braithwaite. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Dommage le cadre. Allez, on enchaîne, allez, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Non mais je m'en fous de mon action là. Franchement, allez. Oh. Allez. Ah. Allez, touche. Abdenour. Digne. Braithwaite. Allez, Sandrini. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Bien taclé, mais le ballon Et n'est la pas passé. casette. Oh, ça va rentrer. Oh là là, magnifique la casette. Magnifique la Quel casette. fantastique. Bravo. Bravo la casette. Bravo. Très belle action soliste de la casette qui s'est jouée de la défense pour aller marquer son but. On va pas non plus trop emmerder l'adversaire, on va essayer de passer vite. Allez. On se régale, Oh. le plaisir des yeux, parce que ça donne vraiment des superbes images quoi, enfin, sauf si vous êtes gardien. Et quelle lucidité face au gardien, il a glissé le ballon. Merci. Oh, oui, oui. Compliqué à reprendre finalement. Abdenour. Tranquille. Grégory Van Garville. Ouais mais. Je sais pas pourquoi aujourd'hui les joueurs ont du mal à réagir très rapidement. Je sais pas. Allez. Oh, ça lag en fait. Ouais, ça lag. Non, achète. Putain, un serveur là. Le serveur, il a des problèmes. Hein. Il a des problèmes.
Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Franchement, faudrait travailler les serveurs. Je sais pas, il y a une porte ouverte là-bas, donc vas-y. Non, ça verra pas plus loin. C'était pas une bonne solution. Attention, les corners avec les BPN, c'est des corners très dangereux. Ah, il joue à deux deux, quoi. Voilà. Bon. Mais c'est pas vrai. Loïc Rémy. Oh là là, il a coupé le gardien. Ce sera 6 mètres pour le gardien. J'en ai un peu marre là, hein, entre les bugs et les comptes favorables, comment ça peut l'adversaire m'énerver? C'est n'importe quoi. Il est cheaté ce joueur, c'est pas possible, hein, il est cheaté. Je t'interviens dessus, ça ne marche pas. C'est n'importe quoi. Et ouais. Bref. Bien joué quand même, mais c'est normal. Et lui, mais les ralentis alors que moi je t'ai respecté, espèce de connard. Donc voilà, merci. Hein, quand même. Un minimum de respect. Merci. Allez, regardez. On peut pas... Ah non, ça c'est aussi. Encore aussi, je veux bien. On peut pas intervenir dessus. Voilà, et voilà. Putain, mais voilà, ta soeur, c'est bon. Voilà pourquoi j'aime pas la coupe, ça joue sa vie. On dit que c'est l'inverse, ça joue sa vie en division, bah je sais pas, en division je tombe pas sur des gens comme ça ou... Alors je sais pas si c'est normal que Rémy on peut pas intervenir dessus. Hein, voilà, il y a bien faute, hein, ça il y a pas de soucis, je suis d'accord, mais tu peux pas intervenir dessus. Le mec, tu peux rien faire. C'est chiant quoi. Et allez, va laisser les ralentis d'un penalty. Si t'as vraiment pas de cerveau. C'est un penalty. Allô. Ça a rien de beau. À moins que tu fasses une panenka, c'est moche un penalty. Merci. Non mais là il y a un problème. Hein. Ça, un lag. Hein. Bizarrement, mon joueur. Ah, allez, putain de merde, hein, commence pas à me gaver. Voilà, d'accord. Voilà, tranquille. Et non, putain, parce que de merde. Ozil. Enfin, non, non, on peut pas intervenir, il est cheaté Rémy. Tu peux pas intervenir, voilà, voilà, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, c'est gavant, c'est gavant. Ça devrait même pas être permis de fusiller des joueurs pareil. Et normalement, quand tu es sur le joueur, le défenseur, le joueur ne passe pas. Si le défenseur est dépassé, le joueur n'est pas rattrapé. Mais pourtant, je suis dessus. Non, non. Encore aux îles, ça va, on peut intervenir dessus. Mais Rémy, bizarrement, depuis tout à l'heure, je peux rien faire. Hein, c'est pas normal. Pas d'accord. Rémy ne sait pas non plus Hulk. Ah, il s'appelle pas Musclor, donc faut se calmer quand même. Bon. Bah tiens. Qu'est-ce que c'est encore? Ah, c'est bon, bah. Oh bah tiens, miracle, miracle, j'ai le droit à un truc. D'accord. Digne repassera sur les passes. Vendredi.
Voilà, nous on se dégage comme des merdes. Heureusement qu'il y a faute. Hein. Allez. Voilà. Voilà. Coup de physique normal et à faute. Bien sûr, monsieur l'arbitre. Tout à l'heure, Van der Ville se fait dégager comme une vieille merde, mais il n'y avait pas faute. Hein. Pourtant, c'était le même contact. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de soucis. Ouais, le jeu était là, bien vu. Oh, le tir. Et Neymar, qui ne relâche pas ce ballon. T'as pas pour l'instant la connexion, ça s'est stabilisé, donc du coup, enfin, voilà. Allez, bien sûr, là y'a rien, comme d'habitude. Non, je sais, parce que tout à l'heure, je suis désolé, c'est un physique normal, Van der Vie se fait dégager, on siffle pas, Denour, il fait la même chose, on siffle. Étrange, étrange. Oh non, moi je trouve ça juste étrange, je pose la question. Hein. Très étrange. C'est bizarre, mais je vois fondre du caca. Bien sûr, il prend l'avantage, bien sûr, mon défenseur était dessus. Tout va bien, d'accord, j'aime la coupe. Mais encore une fois, il va laisser les ralentis. Je comprends pas cette mentalité débile de laisser les ralentis, ça sert à rien. Hein. Franchement, c'est inutile. C'est bien joué, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais bizarrement, voilà. Hein. Bizarrement, on domine le match, puis tout d'un coup, ouais, tout d'un coup, comme par magie, hein, bien sûr. Ça s'est inversé. À moins que le premier joueur était naze et il a passé la manette à son pote, fait, allez, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Non mais maintenant c'est chiant parce que tu peux plus emmerder le défenseur sans qu'il tombe toutes les 30 secondes, tu peux plus défendre quoi. T'as peur d'aller sur le joueur en fait, c'est ça maintenant le problème, c'est bien d'un côté parce que c'est un peu plus réaliste, mais d'un autre côté c'est chiant. Désolé, tu peux plus défendre. Tu t'approches du joueur, t'as peur en fait. Tu oses plus appuyer sur le bouton parce que t'as peur qu'il tombe. Tu peux même plus défendre. En fait, t'es obligé de laisser le joueur partir ou de carrément avoir un cube bordel de nouilles et arriver à tacler pile poil sur le ballon. Hein, parce que aussi, des fois, hein, tu tacles le ballon, mais il y a faute. Ça, c'est marrant. C'est vrai que c'est normal, hein, ouais, bien sûr. Là, c'est normal, il a l'avantage, il n'y a pas de soucis. Mais il laisse l'avantage, c'est bon, qu'est-ce qu'il a? Arbitre de merde, il y avait avantage, c'est bon, j'ai pas touché la balle. Putain, encore un arbitre. Non, mais soit FIFA 16, mettez pas d'arbitre, soit faites un vrai arbitre, s'il vous plaît. C'est soit l'un, soit l'autre. Pas un arbitre qui ne siffle que pour rien en fait. Là il y avait avantage, le mec j'étais pas dessus, je comprends pas pourquoi il siffle, hein. Enfin bon, c'est lui qui avait le ballon, hein. Normalement avantage c'est tant que tu touches pas le ballon à l'adversaire pendant que l'arbitre lève la main pour dire qu'il y a avantage, il n'y a pas à siffler, c'est con. Ah bon, c'est pas grave.
Bien joué. Non, là par contre le but il est beau, il est bien, hein, y a pas de souci. Sauf que j'aime plus la coupe, j'aime pas la coupe. C'est vraiment pour vous faire plaisir, hein, que je mets la coupe, parce que moi je joue plus en coupe. Je suis dégoûté de la coupe. C'est du grand n'importe quoi en fait. Avant, enfin même pas avant, même maintenant, il y en a qui disent que les gens jouent leur vie en division, mais moi j'ai plus l'impression que, alors. Soit aussi, peut-être. Alors il est possible, hein, parce qu'une fois, il y a pas mal de youtubeurs qui en ont parlé. Des fois, quand vous ne trouvez pas un adversaire, par exemple, hein, là en quart de finale, il vous trouve un adversaire qui lui se qualifie pour les demi. Ou pour la finale. Donc vous pouvez tomber soit sur des PGM, soit sur des joueurs qui se qualifient pour la huitième de finale. Alors vous êtes en quart, c'est un procédé qui apparemment, quand il n'y a pas assez d'adversaires, hein, vous avez vu, j'avais du mal à trouver un adversaire. Apparemment ils font ça. On peut bien tomber comme mal tomber. Donc après bon, c'est un bon adversaire, hein, pas de soucis. Mais bon, à part qu'il laisse quand même les ralentis, c'est chiant. Qu'il a un Rémi complètement cheaté. Sinon, à part ça, ça va. Y a pas trop gros, y a pas grand chose à dire dessus. Hein, il joue bien. Sauf que bon, il me fait un peu chier à laisser les ralentis. Cette communauté a laissé les ralentis. À moins de mettre une putain de bicyclette ou une frappe de 45 mètres, je suis pas d'accord pour laisser les ralentis. C'est pas normal. Je suis contre les ralentis en ligne, hein, en solo. On s'en fout, c'est contre l'ordi. L'ordi va pas dire, eh hey, vas-y, fais chier, tu m'emmerdes, laisse pas les ralentis. Ah, ça c'est marrant, s'il nous affiche un message comme ça, tu vois, sur le milieu de l'écran, fais pas chier, sinon je fais planter la console. Des trucs comme ça. Non mais après en ligne, voilà, à moins d'un but mais monumental, j'aime pas les ralentis. Ça sert à rien, tu fais une petite frappe, voilà, youpi, voilà, t'as marqué un but, c'est bon. Tu vas pas non plus faire trois fois le tour de ta chambre, sauter sur le lit, faire des pirouettes, parce que t'as mis une petite frappe dans les 18 mètres ou une frappe contrée des 20 mètres parce que t'as eu un gros bol, voilà. Oui c'est bon, William, c'est bon, tu commences à me saouler. Voilà. N'importe quoi. N'importe quoi. Heureusement qu'il y a hors-jeu parce que c'est n'importe quoi. Tu peux pas intervenir sur William. Depuis quand? C'est pas normal. Je suis désolé. C'est bon. Peut-être les joueurs de Ligue 1, c'est pas non plus les meilleurs joueurs du monde. Mais faut arrêter. C'est pas non plus des feuilles en papier. Oh, ils sont quand même du physique comme tout le monde. C'est quoi ce bordel? William en plus il est tout petit. Ah non, pas tout petit. Enfin, taille moyenne. Ouais, quand même, vu sa carrure, c'est pas non plus musclore. Hein. Enfin, bon. Peut-être, hein, je sais pas. Je connais pas trop bien sa carte, donc peut-être qu'il a 90 en physique. Hein, alors là je rigole s'il a 65. Là je rigole. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais c'est quand même frustrant. Ça donne vraiment envie de continuer à jouer, tu vois. Franchement, ça donne envie. Ça donne plus envie de sortir la corde avec le tabouret que de continuer à jouer. À moins d'être sadomaso, d'aimer ça, mais bon, moi personnellement, c'est pas mon truc. Vous voyez, oh Enyama, achète-toi un cerveau, je te jure. Je te jure Enyama, tu me refais une fois ça, tu dégages. Tu dégages. C'est, je supporte pas les bourdes de gardien. J'aime pas ça. C'est encore, tu te prends des buts si tu veux, mais les bourdes, je supporte pas ça à un gardien. Moi un gardien qui me fait ça, c'est soit je le licencie parce que je suis en solo, soit je le vire, je vends la carte direct. Je supporte pas les bourdes. Ça m'énerve. C'est tu. Je sais pas, t'es un gardien professionnel, tu dois. Tu dois de réussir tous tes trucs. Bon, encore, tu touches le ballon, ça rentre quand même. Bon, encore, c'est pas de ta faute, c'est parce que le ballon était trop puissant. Et il avait de l'effet, mais bon, voilà quoi. Ça c'est des gardiens de niveau plus faible qui font ça. Voilà. C'est parce qu'ils n'ont pas des entraînements aussi poussés qu'un gardien professionnel. Mais bon, quand même, allons. Et encore, là, c'était. Là encore, il m'a fait une bourde, mais vraiment stupide. Abdenour, qu'est-ce que tu fous? Voilà, voilà, voilà. Abdenour, qu'est-ce que tu branles là, espèce de merde? Pardon. Si. Si, même en vrai, il est naze. Hein. Même en vrai, il est naze. Hein. Depuis pas mal de journées. Enfin, même depuis qu'il est arrivé à Monaco, je sais pas ce qui est arrivé. Hein. Il s'est métamorphosé en mauvais. Mais repars dans ta défense! Qu'est-ce que tu fous là? Dégage! C'est pas vrai ça! Faut vraiment qu'Abdenour il se ressaisisse parce que quand il est arrivé de Toulouse, c'est un très très bon joueur à potentiel. Voilà, depuis, en vrai, hein, dans le jeu, je sais pas, ça dépend. Là, il nous a fait une couille parce que bon, je suis un peu énervé. Bravo, bravo, Pastore. Bravo, merci. Ça a franchement m'aidé ça. Alors, ça aussi, les blessures. Bon, on en va en parler après parce que sinon, on va dire que je pose du coq à l'âne.
Abdem pour en finir avec Abdem. Non, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il faut qu'il se ressaisisse en vrai. Enyama, ça va. Non, mais bien joué l'adversaire, super. J'ai dû tomber encore sur. Enfin, je sais pas si c'est un PGM, mais bon, on s'en fout. Voilà. Ça me saoule de perdre, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas trop jouer pour perdre, c'est pas trop mon kiff. Passons. Voilà, après Abdem, non, je sais pas, il faut que vraiment qu'il se ressaisisse parce que là, ce qu'il fait en ce moment, c'est vraiment pas bon. Normalement, il est censé être beaucoup plus fort que ce qu'il fait. Et bon, peut-être que c'est un passage à vide, hein, comme tous les joueurs, hein, ça arrive à tout le monde, bien sûr. En fait, si j'ai bien compris, bon, on clôt le dossier Abdem, il faut vraiment qu'il se ressaisisse. Voilà, il faut qu'il se remette à bien jouer, voilà, c'est tout. Parce que c'est un très bon joueur, normalement, hein, mais bon, c'est un peu perdu pour l'instant. On s'en fout de la défaite, de toute façon, ça me fout de la coupe, j'aime pas ça. Je déteste les coupes. Je suis vraiment encore sur FIFA 14 quand j'avais joué à l'avant-première, je l'avais gagné, mais bon voilà, je suis pas coupe. Depuis qu'ils ont mis les divisions, je suis vraiment content, j'aime les divisions parce que moi les coupes c'est voilà, c'est gavant. Parce que en division, on dit qu'il y en a ils jouent leur vie, mais je sais pas, j'ai moins cette impression qu'en coupe parce qu'en coupe c'est là où tu joues plus ta vie. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à la fin du match, tu perds, tu l'as dans le cul, direct. Alors qu'en division, bon bah tu montes, tu descends, voilà, bon, tu râches sur le coup, ouais, bon, merde, fais chier, je redescends, oh mince, je reste dans cette division. Tu t'en fous. Mais là, en couple, en fait, le truc, c'est que tu joues ta life. Tu joues ta life. Bah, il y a le premier qui me dit qu'il joue. Enfin, il y en a, ils jouent pas leur life, hein. Il y en a, ils s'en battent peut-être sûrement les couilles, sûrement. Mais bon, après, moi, perso, voilà, quoi. Quand tu joues en coupe, même en vrai, tu joues en coupe, tu fais tout pour gagner, quoi. Tu fais tout pour gagner, à moins de vraiment être un peu bizarre et de ne pas tout faire pour gagner alors que tu joues en coupe. Ça fait peur quand même. Ça fait peur. Mais bon, après, je sais pas, j'ai plus de feeling avec la division. J'ai toujours préféré la division. Après, il y en a qui préfèrent les coupes, hein, c'est normal. Hein. Tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut. Hein. Ça, y a les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, ça se respecte. C'est tout à fait normal. Mais bon. Après, qu'est-ce que je vais parler de comme... Ah oui, les bourdes de gardien. Ouais, j'aime pas ça. Je sais pas, jamais aimé ça. Enfin, je pense pas que quelqu'un aime les bourdes de gardien. Peut-être pour rire, pour rigoler 5 minutes. Mais je sais pas, moi, un gardien qui me fait ça, je le hais. Je le hais, tout simplement. Et pire, s'il le répète, s'il répète les bourdes-là, c'est pire, je le hais encore plus. Ah merde, fait chier. Mais bon, après voilà, ça peut arriver une fois de temps en temps encore. Bon, une fois de temps en temps, ok. Mais si ça se répète pas avant. Qu'est-ce qu'ils sont tous avec leur 4-4-1-1 là-haut? Encore une BPL. Mais là, moins grosse, mais c'est pas parce qu'elle est moins grosse qu'elle est pas aussi puissante. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Mais moi j'aime pas les bourdes de gardien, j'aime pas ça. Moi je trouve que quand tu es professionnel, tu te dois de. Au pire tu te prends beaucoup de buts, mais comment tu prends pas des buts sur bourde? C'est chiant quoi. Encore bon, quand t'es gardien semi-pro ou amateur, voilà, t'as pas les mêmes entraînements qu'un joueur professionnel, donc tu fais pas. T'as pas les mêmes réflexes, t'as pas la même qualité qu'un gardien de pro. Mais bon, après aussi vous allez me dire oui mais c'est pas de leur faute, ils font pas exprès. Oui, encore heureux qu'ils font pas exprès. S'ils faisaient exprès quand même là, ça serait vraiment dommage là, hein. Vraiment là, c'est qu'ils seraient vraiment cons. Mais bon, j'aime pas trop ça, d'accord. Jaillissement du défenseur sur cette interception. Mais bon, Jack voilà. Après, c'est pas. C'est. J'aime pas trop quand un goal fait ça. J'ai plus trop confiance en lui après. C'est normal. Hein, après, mais voilà. Bon, on va arrêter de parler parce que là, c'est bon. Je commence à en avoir marre de me prendre des occasions. Récupère ce ballon dans notre jeu.
mal avec les passes aujourd'hui, moi, dis donc. Oh, les gaz. Allez dessus, ride. Quelqu'un. Et putain, et j'y arrive plus les passes aujourd'hui. Hein. Ouh là là. T'es sérieux là? Fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Si j'ai pas entendu ce que j'ai entendu là. Tu te fous de ma gueule. Il a tiré. Il y avait corner. Sur le bon côté. Penalty très discutable parce qu'il a frappé au but, le ballon n'a pas été dévié par le contact, donc du coup il n'y a pas penalty. Je suis désolé. Et en plus le contact a été fait après, juste après le tir, une seconde après le tir. Donc personnellement il n'y a pas faute. C'est un contact comme un autre, mais bon c'est pas grave. Hein. Arbitre de merde, arbitre de merde un jour, arbitre de merde deux jours. Voilà. Passons. Putain, mais... Et il y a un problème aujourd'hui. Soit j'ai du mal à faire mes passes, soit quand j'appuie sur la touche, ça ne part pas. Allô. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Allez. Allez. Non. Non, laisse tomber. C'est pas mon jour. Lecture du jeu là sur cette interception. L'équipe locale qui compte jouer le hors-jeu maintenant. Et peut-être pour essayer de décourager les attaquants adverses. Luke Shaw. Gain Johnson avec un partenaire. Oxlade Chamberlain. Jack Wilshere. Oh, c'est bien parti. Le gardien qui repousse. Et le hors-jeu qui est signalé. Ressaisir un peu, on peut le faire. J'ai du mal. Alors, je sais pas si c'est contre les 4-4-1-1, j'y arrive pas. J'y arrive pas là aujourd'hui. Oh là là. Tac. Non, j'y arrive pas aujourd'hui. J'y arrive pas. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais rien ne va. La défense qui récupère. Oh putain. Heureusement que Benteke est là pour nous sauver les miches. Hein. Ça encore, j'y arrive pour l'instant. C'est bon. Au moins il reste les buts. Ça va. On va dire que c'est le minimum syndical hein, de comment il reste qu'on arrive à mettre des buts aujourd'hui, mais bon. Faut que je règle un peu les passes là. Et non. Putain. Du mal à dribbler aussi aujourd'hui. Du mal à défendre, du mal à faire mes passes. Allez, épaule contre épaule, mais putain, mais calmons-nous, j'ai envie de tuer l'arbitre, on se calme, j'ai envie de te tuer, connard, je vais te tuer toi et toute ta famille, je rigole, on se calme, tout va bien, bisounours, tout est bleu. Allez. Encaisser le choc, mais bel équilibriste. Oh, il peut centrer. Bien sûr. D'accord. Paulinho.
sanctionne cette faute, c'est un coup franc. J'ai taclé le ballon, j'ai taclé le ballon, j'ai taclé le ballon, j'ai taclé le ballon. Jack Wilshere. Outside Chamberlain. Allez, bien sûr, comme par magie, tiens. Comme par magie, tout d'un coup, un centre passa et un connard de Welbeck arriva tranquille, hein, entouré des défenseurs, mais c'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, le gardien, il est super. Allez! Ah, merci quand même. Donc, ça fout. Pire des 4-4-1-1, c'est que tu joues en contre-attaque. J'ai que ça y est, j'ai compris. Ça y est, en fait, leur tactique à la mort moelle. Ils jouent la contre-attaque, ces petits cons. D'accord, ouais, ça joue la contre-attaque. C'est-à-dire que quand tu arrives dans leur défense, bim bam boum, tu te fais niquer par les deux lignes de défense. Entre les défenseurs et les milieux qui sont plus en train de défendre. Et tout d'un coup, pan, allez, ça part en contre-attaque. 3-4 passes. Et là, tu peux rien faire. Tu l'as dans le cul, Lulu. Ou à moins qu'il alterne entre jeu normal, jeu de contre, je sais pas. Parce qu'à un moment, je sais pas si vous l'avez entendu, il jouait le piège du hors-jeu. Il fait entre un joueur, bien sûr. Là, il va très bien. C'est vrai qu'on est en mode carrière. Je savais pas. Alors, allez, vas-y. Il est dessus. Allez, les gars. D'accord. Ouais, 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 franchement, dis donc, aujourd'hui, c'est la fête, hein. Ouais, bien sûr, bravo, Vertonghen, champion, champion, champion de la merde. Non. Allez, on... Ouais, enfin, oui. Voilà. Pizzi, non. Ah, ou c'est moi qui... Ah, enfin, une faute pour moi. Oh, magie. Ah, super, un coup franc. Bah, tiens, on met Moreno, bien sûr. Alors oh non, j'y croyais. Tant pis, pas grave. Jack Wilshere. Oh, il la récupère. L'équipe locale qui compte jouer le hors-jeu maintenant. Peut-être pour essayer de décourager les attaquants adverses. Un contre parfait qui va faire plaisir aux puristes. Mata. Mata. D'accord, Yon. Ok. Tu m'enverras un fax quand tu auras compris qu'il faut jouer correctement. Ou un mail. Ouais, un SMS. Je m'envoie un SMS. Un seul joueur. Dani Welbeck. Lennon. Et ça sort en touche. C'est un peu plus serré que tout à l'heure, mais bon, ça me saoule. C'est gavant. Mais bon, après, les défaites, on apprend toujours quelque chose. Comment éviter de ne pas casser la manette ou un autre objet ou quoi que ce soit. Ah oui, c'est une des premières leçons qu'on apprend. Tu as du mal à passer des fois. Allez, allez, allez les gars, peut-être un coup de pouce. Ok. Je sais pas, mais les corners, ça va pas non plus. Ouais.
C'est pas trop ça non plus aujourd'hui. Lennon. Oxlade-Chamberlain. Rodriguez. Oxlade-Chamberlain. Le gardien qui fait le but. Ça, c'est gavant ce genre de but. Gardien pas foutu de capter le ballon, regarde-moi ça, pas foutu de capter. Je sais pas, il balance sa jambe au lieu de plonger. L'équipe à domicile qui décide de jouer le hors-jeu. Attention, ça demande une grande concentration derrière. Mata. Lennon. Oh tiens, du coup je viens de d'avoir une petite idée sympa pour les sondages à chaque fois pour l'épisode suivant. Dorénavant, quand on fait un truc, et ben on, par exemple coupe à cet épisode, bah prochain épisode il sera pas disponible dans les choix. C'est-à-dire que vous aurez plus que deux choix entre division et match simple. Et par exemple, je sais pas moi, la prochaine fois on fait division, et bah division ne sera pas disponible et vous aurez le choix entre match simple et coupe. Et vice versa si on fait match simple. Coupe et division seront disponibles en réponse, mais plus, mais pas match simple. Ça peut être marrant comme ça, on n'est pas obligé à chaque fois de refaire la même chose. Ça peut être intéressant. Je viens d'y penser, c'est pas con comme idée. Je vais creuser ça tranquillement. D'accord. Faudra me dire quand est-ce qu'ils feront un bon centre. Allez. Eh, Dembélé, c'est pas ton truc la frappe. Hein. Waouh. Jack Wilshere. La défense, elle est complètement perdue à chaque fois. Ah. Qui va reprendre le ballon ? Des fois, il y a des éclairs de génie. Mais c'est pas tout le temps. Hein. Mais là, voilà. Ça traîne. Enfin. Et non. Non, mauvais appel. Voilà, là, super. Non, non, mais le pire, c'est qu'en plus, j'ai une compo pour ça, pour avoir des appels. De Young. On fait ouais. Tourner, on se rend ça stagne. Ça n'a pas envie. C'est gonflant. Elle ne peut s'en saisir, sa sœur. Daniel Elbeck. Bien sûr. Alberto Moreno. Ashley Young. Bonne récupération au milieu de terrain. De Young. Bien sûr. C'est gonflant aussi les touches enregistrées. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Oh, 5 minutes de temps additionnel. On va jouer 5 minutes supplémentaires. C'est pas terminé. Mata. Mata. Oxlade-Chamberlain. Oh, il faut l'arrêter. C'est contre le gardien qui peut s'emparer du ballon. Eh oui, il était très vigilant sur cette action. Oh, le tir. Oh, le tacle glissé. Non, mignon. Très bonne sortie du gardien. Bon. Allez, super, encore une défaite. Bien joué l'adversaire. Même si encore une fois il a eu beaucoup de chance, mais il a bien joué. Voilà. Il faut l'avouer, quand ça a bien joué, il a bien joué. Voilà, youpi. Youpi, joie.
Je déteste la coupe. Je déteste la coupe. Et partons pour un troisième et dernier match en espérant enfin une victoire parce que sinon je vais péter un boulon. Alors, ouais, bah, maintenant c'est au tour de la Ligue 1. Chacun son tour. Bon, en espérant que cette fois-ci, ça soit un peu plus joyeux. Ouais, ça serait bien ça. Ah. Alors, cette fois-ci encore. Oh putain. 1-4-3. Ah, pour changer. Ah, bah une Ligue 1. Une Ligue 1 avec... non, c'est une hybride. Ligue 1, Serie A. Ouais. Ligue 1, Serie A. Ouais. Ouais. Pourquoi pas? Alors, rendez-vous avec la coupe Ça aujourd'hui, change huitième de d'habitude. finale pour C'est être bien, c'est précis. cool. Le niveau commence à grimper dans cette compétition. Ouais, le niveau monte et avec la tension, les joueurs sentent que la finale se rapproche. La casette. Et essayer de lui prendre le ballon. Un bon pressing du défenseur. Lanzagli. Casse. Abdoulaye Konko. Johan Cabaye. C'est un vrai poison et la défense qui va avoir du mal à le reprendre. Touche, touche. Ici. Allez, la casette. tranquille. Non, ça n'ira pas plus Allez. loin. Oh, le gardien qui lui coupe la route peut-être. Oh, le bon tir. C'est dommage, on a trop été belle. C'est pas grave, ça sera mieux la prochaine fois, allez. La bonne circulation du ballon. Johan Cabaye. Ouais, faut se concentrer sur ce corner défensif. Hein. Johan Cabaye. Oh, c'est parti! Oh, il se prend la tête après cette action. Et il sait qu'il avait une balle de but. Il s'en veut certainement beaucoup. Oh, bien, la sombrerie. Non mais ballon récupéré sur cette bien sûr. Intervention. Je savais pas que Lucas était physique. C'est nouveau ça. Oh, le ballon peut être repris. Droit sur un défenseur. Lanzagli. L'attaque qui est finalement enrayée par la défense. Manque d'application sur ce centre. Et la défense peut éloigner le danger. Oui, le bon tacle. Allez Braithwaite, bouge ton cul. Lanzagli. Il est à la récupération au milieu de terrain. La casette. Un petit mot sur ce joueur Franck. Et avec lui, vous pouvez être sûr que les défenseurs adverses auront du boulot. Il est capable de couvrir tout le front de l'attaque. C'est impressionnant. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. La Vexi. Allez Lucas. Robin Lassandrini. On récupère ce ballon dans notre jeu. Chiellini, pas facile cette récupération.
Braithwaite. La casette. Et le gardien qui reste. Attention, le contre assassin maintenant. Ah non, l'action qui n'est pas terminée, attention. Johan Cabaye. Matuidi. Johan Cabaye. Là, elle est ici. Allez, courage les gars, on peut le faire. Chiellini. La Messi. Ah, quand même, ah, merci. Un petit peu tôt. Mota. Bien sûr. Il se dispute le contrôle du ballon. Romain Lassandrini. Braithwaite. D'accord. Ton gardien est aussi super que le mien. Je sais pas, c'est pas Sirigu normalement ce goal. Normalement c'est un bon garde, c'est un bon gardien ça normalement Sirigu. Enfin je sais pas, j'ai pas vu trop vu son gardien. La casette. Ouais, elle est bien partie. D'accord. Ah, ça passe très très largement au-dessus. Aucun danger. C'est Lopez. Bah d'accord. Ok. Je savais pas. Moi je pensais que c'était Sirigu. J'avais pas fait gaffe. Pas fait gaffe, c'est pas grave. Merci. La casette. Wait, wait. C'était dangereux, mais ce ballon est contré. Pas faute? Non. Non, pas du tout. On a le droit de faire des obstructions. Je croyais que ça se sifflait, moi, sur FIFA 15. Quand on est un vrai arbitre. Ah, ce sera une touche. Peut-être une occasion. Ouais, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. La casette. Wait, wait. Oh, la belle frappe. Largement à côté. Faut vraiment que Alessandrini travaille les tirs. Hein, parce que là. C'est horrible pour l'instant. Johan Cabaye. Le casse. Oh, il y a du monde pour le reprendre. Bon, ça va, on tient la route à la mi-temps. Mais bon, faudrait marquer un but à la deuxième. Et voilà, c'est reparti. Arrière Pastore. Digne. Johan Cabaye. La Messi. Abdoulaye Konko. Le casse. Abdoulaye Konko. Romain Lassandrini. Chiellini. Abdoulaye Konko. Le casse.
Braithwaite. Moi, tu dis. Digne. Lucas. Il va devoir protéger son ballon. Là, il trouve Lavezzi sur cette passe lobée. Oh, il n'y a plus que le gardien. Oh, qu'elle est bien partie. Non. Allez. Bon, ouais, pour l'instant c'est chiant, enfin c'est serré, c'est serré, c'est serré. Ouais, il y a faute. Casse. Un tel effort sur cette interception, c'est impeccable. Et ce ballon qui traîne. Mais allez, fais pas des pauses pour tricher. Là il fait une pause pour me déconcentrer, comme ça sur l'action qu'il a, hop il va marquer. Ou peut-être qu'il fait un changement, mais c'est débile de faire ça maintenant. T'aurais pu attendre un arrêt de jeu. Voilà, il triche. Il triche, voilà, voilà. Voilà, et bah puni, puni, c'est pas rentré. Mais t'as un corner, voilà, c'est... Voilà, il a fait un changement et en même temps il a failli profiter de ça. Donc c'est, on va dire, 50% triche et 50% il a fait un changement. Deux même. Voilà. C'est, on va dire, à moitié énervant. Voilà. Comme ça, au moins, c'est mieux. Ouais, je peux pas faire grand chose, hein, à part courir ou perdre la balle, voilà. Pas d'appel, personne. Personne. Ça me souffle. Avec son gardien. Mota. Pardon, la Sandrini. Johan Cabaye. Javier Pastore. Oui, bien joué le gardien. Oui, allez, on va y arriver. Peut-être. On en reste sur ce score de parité. On va laisser mon rugby. Braithwaite. Non, ça n'ira pas plus loin. Gabriel Ramos. Voilà, génial. Encore le gardien, c'est gagné. Voilà. Voilà, voilà. Poulsen, je crois que c'est un joueur argent. Enfin, je suis pas sûr. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bien joué quand même, mais c'est n'importe quoi quand même. Enfin, bon. Récupération au milieu de terrain. Abdoulaye Konko. Johan Cabaye. Oh, il lui suffit de tromper le gardien maintenant. Jakob Poulsen. Oh, le tir. Un deuxième but marqué quasiment sur l'engagement.
À ma connaissance, je crois que Poulsen c'est pas une carte argent. Alors si c'est pas une carte argent, ouais, donc il joue rééquilibrage ou je sais même pas s'il est toujours. Enfin, je sais pas, peut-être, on sait rien. Je dis ça parce que je rage, s'il faut, il y est pas. Mais bizarrement, normalement, Poulsen c'est pas une carte argent, ça. Enfin, à moins que Poulsen soit cheaté. je ne connais que sur FM, hein, Poulsen. Hein. Je ne savais pas qu'en vrai, dans FIFA, il était très cheaté. Mais bon, c'est pas grave. Allez, encore un tacle, il réussit une fois de plus. Ah, bien Pastore. Voilà. Super. Là, tu dis. Mota. Right, wait. Abdoulaye Konko. Ah bien Pastore. Oh, excellente interception, bien joué. Il est cheaté. Il est cheaté ce mec. Il est cheaté, je suis pas d'accord. Tu peux pas intervenir dessus. Tu peux rien faire. Regarde. Bon lui au moins il passe les ralentis, c'est bien. Par contre ça c'est bien de sa part. Mais il est cheaté ce joueur. Je suis pas d'accord, il y avait 0-0, il fait rentrer son enculé de Poulsen, voilà. Voilà pourquoi je déteste les changements. Je déteste les changements en ligne, c'est... Voilà, tu... Le mec, il... Je sais pas, il nous fait rentrer Poulsen. Alors, à vous de me dire si c'est une carte argent ou or ou bronze, j'en sais rien, mais ce gars est cheaté. Ce gars est cheaté, c'est pas possible. Je pouvais rien faire, même pas au physique, rien. Que dalle. Nada, super. Youpi. Eh bah dis donc, non mais bien joué quand même à l'adversaire, il a marqué des buts, bien joué, mais voilà, il a fait rentrer son joueur qui était cheaté. Entre Rémy et Poulsen, super, non mais franchement très bien. Mais par contre après, il m'a pas mis de buts de pute, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, faire rentrer son joueur qui est un peu cheaté, Poulsen, je crois que ça me dit quelque chose hein, sur FIFA, mais je connais plus sur FM que sur FIFA, mais voilà. Donc là, encore une fois, un joueur cheaté. On peut pas me dire qu'il n'est pas cheaté. Un joueur qui n'est pas cheaté, j'aurais pu intervenir, j'aurais pu le ralentir, l'empêcher de bien tirer. Non, là on pouvait rien faire. Strictement rien. Donc, il est quand même un peu cheaté, hein, quand même. Hein. Enfin, à moins qu'il soit très puissant, et que je dis cheaté parce que je rage peut-être, mais bon, quand même, c'est un peu litigieux quand même. Mais bon. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura quand même plu. Hein. Moi, je me suis bien fait chier. Parce que, bon, bah voilà, hein, excusez-moi, mais moi, la défaite, ça m'intéresse pas. Donc, ça me fait un peu chier quand même. Mais bon, peut-être que... C'est parce qu'aujourd'hui, bah, j'y arrivais pas. J'ai pas très bien joué, sûrement. Mais c'est gavant. C'est gavant. Voilà. Donc, la prochaine fois, donc je vais mettre en place ce système. Comme ça, au moins, on n'aura pas deux fois la même chose. Hein, parce que ça fait quand même deux épisodes qu'on je crois qu'on se tape la coupe. Je sais plus. Donc dorénavant je vais faire ça. Tout ce qu'on fait, par exemple là on a fait de la coupe, bah, au prochain épisode vous aurez le choix entre match simple et division. Voilà. Et ainsi de suite. Vous verrez ainsi de suite. Voilà. Bon bah n'hésitez pas à vous abonner, le petit commentaire, le petit pouce bleu. Me remontre le moral un petit peu. Hein, et me suivre sur Twitter aussi. Et puis bah bonne journée à tous. Salut.